Hello les amis, c'est Super Rick. Bienvenue à vous pour un nouvel épisode Hearthstone Rapileo. Alors, on est sur la dernière aile de Naxxramas. Donc, l'antre du Wyrm de Givre. Nous avons deux boss à vaincre. Et voilà, et donc il y a des super récompenses, hein, le limon résonnant. Et l'ombre de Naxxramas, et à la fin, évidemment, Kel'Thuzad, qui est une carte quand même assez cheatée, sa race. Donc on est parti, on va la tenter, hein, comme d'habitude, hein, quand je fais une nouvelle aile, je commence avec un deck, tac 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 tac, je vais essayer peut-être avec le deck chasseur. Chasse-Nax, voilà, très bien. Et juste pour voir comment se comporte le boss, puisque je le connais pas du tout, et après on corrigera en fonction de ce qu'on voit au niveau du boss. Ok, moi je connais pas du tout. Alors, s'il nous propose. Piège explosif, je sais pas, je regarde que c'est là. Détruis tous les serviteurs adverses qui ne sont pas gelés, d'accord. Ok. Donc on y va. Du coup en fait déjà pouvoir si à chaque tour il est gelé. C'est bizarre hein. D'accord, ça détruit pas tous les serviteurs, c'est bien, c'est très très bizarre. Petit lag là, je trouve. Je sais pas ce qui se passe, hein. Je vais tout me détruire. Je sais pas pourquoi il en garde une plutôt que l'autre, hein, c'est. Ouais, il va être dur à battre, hein, Gonzo. Donc je pense qu'il va falloir une classe qui fasse du dégât avec des sorts et tout ça. Genre un mage ou un truc comme ça. J'aurais pu essayer un swing, hein, ça l'aurait débloqué. Hein. De la glace. C'est bizarre, hein? C'est bizarre comme un héros. C'est bizarre comme un héros. Oh, c'est dommage, hein? Il me manque un point juste. Tant pis, je suis obligé. Moi, j'aurais dû mettre le piège explosif. Ouais, donc il faut. Détruire tous les serviteurs adjacents, le problème c'est que si je mets mon arme, ça va détruire mon herbe. Mon herbe! On va tirer les cartes là. Avec un. Ouais, bah c'est ça, faut prendre. Une classe qui fait du dégât. Avec les sorts.
Ok. Je vais pouvoir le gagner avec le chasseur. Parce qu'il fait pas tant de dégâts, il fait pas tant de dégâts que ça. Enfin, j'ai dit ça, je suis à 7 points de vie, mais bon. Je me comprends. Là, je suis mort. Mais je suis mort au prochain tour. J'aurais dû réfléchir deux fois, mais bon. Bon, je crois bien que c'est fini. J'arrive à... Donc c'est ça l'idée. C'est ça l'idée, je coupe les amis et je vous reprends tout à l'heure dès que j'ai fait un deck un peu comme il faut. Ouais, bon, on est de retour avec un mage cette fois-ci. Avec un Magonax. Alors, c'est ce que ça donne. Voilà, donc de suite on va silencer celle-là, comme ça on va pouvoir l'utiliser. Tout sur sa gueule, c'est l'idée. Ah oui, d'accord. Je me disais pourquoi il joue pas. On s'est débarrassé de son truc, hein. Et on pioche les cartes. Et on continue à le taper. J'aurais pu utiliser celui-là, ça coûtait moins cher et j'aurais le même résultat, c'est pas grave. Bon, j'ai donné deux cartes, c'est pas mal. Je n'ai pas assez de mana, j'ai tout claqué. Bon, j'ai les moutes-moutes. J'ai les moutes-moutes, c'est fait pour ça. J'ai les moutes-moutes, c'est fait pour ça. J'ai pioché des cartes. Faut que je fasse gaffe, 1, 2, 3, je sais plus combien c'est limité. On va voir, tour suivant. On posera des cartes. Bon. On va utiliser le deuxième de bout pour lui. Cinq, tac tac tac. On va continuer à le taper, je pense que c'est le mieux à faire.
Tac tac tac, celui-là il va faire 4 points. 3. Ah, il me manque encore un peu. Bon, de toute façon il est gelé. On les voit au tour d'après. Comme ça il détruira les serviteurs qui est à côté de lui. Attendant, on va encore lui en remettre une petite dans la gueule. Et oui, j'aimerais bien voir mes dégâts de... qui peuvent jouer le personnage là. C'est pénible avec ça. Il est pénible avec ça. Là, il m'a fait descendre très très bas. On va clean. On va clean. Et toujours garder la pression. Le sort coûte moins, donc ça, ça peut être pas mal. Sauf que j'ai pas beaucoup de sorts en fait. J'ai pas beaucoup de sorts, c'est ça qui m'embête. On va les poser un par un peut-être. Hein. 5 et 5, 10, ouais, on est plus très loin. Il me faut mes deux sorts qui gèlent et on est bon. Il me faut mes deux sorts qui gèlent et on est bon. Ah ben voilà un. En voilà un, je crois qu'on a fini. Je crois qu'on a fini. Hop. Hop. Et hop, et voilà. Quelle maîtrise, quelle maîtrise. Du coup, on va garder le... On va garder le match pour le suivant, donc une bien belle récompense. J'en bafouille de joie. Le Saphiron vaincu. Le Limon, pardon, raisonnant. Allez, on continue, hein, on est des fous. À toi. Quel Kuzad. Ouais, quel Kuzad, je pense que... Je pense qu'il va y avoir du boulot, ouais. Allez, on y va. Pareil, découverte, on va voir ce qui se passe. Certainement pas. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui, comme sort? Oula, oui, d'accord. Une putain d'armure, il a. L'inflige de points de dégâts vers un ennemi et le gel. D'accord. Bon, on commence comme tout à l'heure, ça nous a pas trop mal réussi. Ah oui, ça va vite descendre, hein. Waouh. Ça va très très vite descendre. Pop 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 pop, en plus j'écoute rien. Non, c'est horrible. Ah non, c'est horrible. Tes serviteurs... Ah mais ça, ça va me refiler des points. Donc j'aurais tenté de me guérir. J'aurais tenté de me guérir, le truc c'est que... Ouais, le truc c'est que je perds ce pouvoir là. Écoute, j'y mets tout dans sa gueule. J'y mets tout dans sa gueule, on verra après. Ce qu'on peut faire, nous. Prends le contrôle d'un serviteur à l'adresse aléatoire. Mais ça, c'est bien, ça. Ah, parce que là, son sort, là, il me faisait trop mal à la gueule. Hein. Alors, on va mout-mouter. Vraiment, on va mout-mouter, non. On va silencer, juste. Hein. Enfin, il n'y a pas de contrôle, ça part. Et je continue à lui mettre la pression. Ouais, ça fait mal quand même. Ça fait quand même très très mal. Ça fait quand même très très mal. Ouais,
crois que là, j'ai vraiment du mal à voir comment je vais le gagner, celui-là. Le gars. Je suis obligé de me le mettre, celui-là. Si ça, je vois pas trop quoi faire d'autre. Hein. Ou alors je fais ça, mais c'est fini au tour d'après. C'est ça le problème, c'est fini au tour d'après. Non, là, je vois pas trop comment le gagner, lui. Hein. Il pose beaucoup de créatures. Ou alors faut que j'utilise un prêtre. Si j'utilise un prêtre, c'est bon. Ouais, je réfléchis, mais il va être balèze à gagner celui-là. Tant qu'il a son armure. Tant qu'il a son armure, en fait, il a son pouvoir qui fait 2. Ouais. Franchement, je sais pas trop comment. Je sais pas trop comment le vaincre celui-là. Autant l'autre, ça me paraît évident, autant celui-là. Peut-être faut la jouer provoque. Hein. Peut-être un prêtre à ce moment-là. Ouais. Donc, on va essayer le prêtre. On va essayer le prêtre. Mon deck prêtre de base, et puis on va voir ce que. Puis on va voir ce que ça donne. Je dois pouvoir poser des créatures. Je dois pouvoir poser des créatures. Alors. Génial, je n'ai pas de tour 1, c'est quoi ça va là? Je suis tellement habitué à dire bonjour. Donc là, bah, écoute, on va se soigner tranquille, courant 14. Alors. Laisse-moi réfléchir. On va piocher. Ouais, ça va faire mal très très vite. Hein. Ça va descendre très très vite comme ça. Ça va faire très très mal. Ouais, je pense qu'on va prendre cher. Hein. On va avoir du mal à le battre celui-là. On va prendre cher. Hein. Ouais, là, il me lâche pas. Hein. À tous les tours. À tous les tours, on prend cher. À tous les tours, on prend cher. Vas-y, on va poser le deuxième. J'aurais peut-être dû utiliser ça. Ça va devenir énorme, ça va être horrible. Inflige 2 points de dégâts à tous les serviteurs. Non, ça c'est pas mal. 4, 7, hein, c'est pas bon. Ouais, faut que j'utilise ça, je pense. Je pense qu'il faut que j'utilise ça, ou alors je fais. Ouais, non, faut que j'utilise ça, je pense. Hein. J'ai pas trop les chuets. J'ai pas trop les chuets. Puis à un moment donné, il faut aussi que je me soigne. Ouais, ça va faire mal, ça. Ça va faire mal. Il est pénible avec son sort. Ah, dommage. Ah, il y a plus les cartes. Hein. Ouais, faut que je commence à me soigner sérieusement. Ah oui! T'es tout à fait sérieux. Sérieux. Je dois avouer, c'est quand même assez ingérable son truc. J'en chie là. Pour ne rien vous cacher, j'en chie quand même pas mal.
Ouais, moi je pense qu'il va falloir arrêter son pouvoir là. Parce que ça commence à faire très très mal. Bon, là on a pas le choix, c'est Zera. Le temps de choper 2-3 cartes un peu sympathiques, on va dire. Il faut rien faire, il faut que je puisse me soigner. Oh non, t'es pas sérieux. Oh là là. Ce massacre. Bon, je suis un peu obligé de les prendre. Je crois qu'il n'y a plus trop de cartes, hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer celui-là. Comme ça, on pourra le réutiliser pour plus tard. Allez. J'ai un personnage. Ouais. 6 et 4, 10. Je pose tout ce que j'ai. Alors on lui met tout dans la gueule, on réfléchit plus. Hein. Je pense que. Mais oui, c'est clair! Ah merde, il nous prend celui-là. Ah, il nous prend celui-là, c'est pas bon. C'est fini. C'est la win! C'est la win, les amis! C'est super. Alors là on va avoir du shit là les mecs. De la bonne carte bien shitée. Ouh yeah. Quelle tisade. La carte qui déchire. Oh que c'est beau. Que c'est beau cet effet là. Max ramasse. Terminé. Yeah. Bon bah écoutez les amis, j'espère que vous avez apprécié. Ça me fait plaisir. Il était temps. Alors qu'il y a quelques jours à peine que la nouvelle extension est sortie. Enfin, on finit la Xramas. Mission accomplie. J'espère que ça vous a plu, les amis. Et je vous retrouve donc très bientôt pour du Hearthstone. Merci à vous. Ciao, ciao.